Salut tout le monde, bienvenue, putain, je suis tombé dans la ferme, bienvenue pour les Robinsons de l'extrême épisode. Épisode 14, il me semble. Alors, vous pouvez le voir derrière moi, les amis, je viens de tomber encore plus profond, je suis désolé. Je vais repasser en mode player, c'est reparti. Donc, on a avancé hors ligne un peu sur la maison, avec Q. Yeah. Parce qu'on y a vraiment passé du temps et on voulait faire les choses correctement. Et c'est vrai que quand on n'avait pas prévu ce qu'on voulait faire, le faire en ligne, on aurait pris trop de temps. Donc du coup, on l'a fait en ligne. Trois quarts de la saison, ça aurait été ça, quoi. Voilà, donc on va commencer par vous faire visiter un peu la maison avant de partir explorer sur la petite île, sur la petite map que vous voyez au début de la vidéo. Où c'est qu'on va d'ailleurs aujourd'hui? Alors, sur la petite map, on va aller tout au nord. Sur une petite archipel de glace qu'on va aller visiter et voir si on trouve pas des coffres ou des disques. Voilà. Donc petite exploration après cette petite visite. Eh ben écoute, je te suis. Le caméraman il te suit. Vas-y. Ok. Alors je mange un petit bout et je suis là. Alors. Bonsoir mesdames et messieurs. Alors bienvenue dans ma maison. Hein. Bonne nuit. Oh. Alors bienvenue dans la pardon, dans la cuisine. La petite cuisine made in Girard. Je suis coincé. Ah non, c'est bon. Ah, mais tu parles plus du tout, carrément. Bah, si, je te. Ouais, ah. Vas-y. bah, c'est la petite cuisine Café Girard avec un petit coffre à nourriture, le frigo, le cube de bois, indispensable dans toute la cuisine, l'évier, les fours et le plan de travail. Voilà. Et n'oubliez pas, les amis, la cuisine, c'est. C'est nous, les Schmitt. Voilà. Allez, je te suis dans ton hangar. Alors ensuite, oh, attends, on va faire de haut en bas. Ouais. Enfin, on monte d'abord, comme ça on redescendra après. Hop. Alors donc, ici c'est le petit salon. Enfin, ce sera, hein, parce que c'est pas vraiment fini encore cet étage. Non, il manque les vitres. Il y a juste le petit coin pour qu'on puisse manger avec Gérard au bord du coucher, enfin du lever de la lune et de la télé qu'on n'a pas encore acheté. Ouais. Donc ici ça sera le coin salon. N'a pas encore trouvé Ikea sur la map. Alors, ensuite, on va passer dans Hop. L'étage supérieur avec une magnifique sauvegarde du serveur. Donc, c'est la chambre avec un petit balconnet, une belle, enfin, oui, deux belles baies vitrées presque même, qui donnent sur la mer et sur la forêt avec encore une cheminée made in Gérard. Donc c'est pas fini non plus, il nous manque pas mal de ressources parce que bon, il faut pour, rien que pour les bibliothèques, il nous faut beaucoup de bambou et on n'a pas encore suffisamment assez de bambou. Q les a consacrés pour la pièce de l'enchantement en dessous qu'on va vous montrer dans quelques secondes. Donc tu l'allumes Non, bah vas-y, allume toi, allume. Ah bah oui, c'est vrai, c'est moi qui le fais. Allume, on va tester. C'est le moment de vérité parce que il se peut que quand on reviendra tout à l'heure, ou même avant qu'on parte, vous nous entendrez hurler, parce qu'on va faire « Ah, la maison, elle a brûlé, ah !» Ah, j'espère pas, parce que bon... Ça sera juste la cheminée qui sera en l'air. On a pris toutes nos précautions, normalement ça devrait pas brûler, normalement, on verra bien, au pire. Toute notre confiance est en Gérard. Fire! Bon, on verra bien si ça fait des étincelles ou pas. En tout cas, on a notre petite cheminée. Bien sûr, les lignes ne resteront pas en plein milieu comme ça. Moi, je dors plus à côté de Gérard, il ronfle. Oui, on va se diviser ça. Moi, je vais dormir sur le balcon parce que j'aime bien l'extérieur. Il va attraper froid tous les jours, vous l'entendrez. Salut les gars, je suis malade. J'espère qu'une chose, c'est que ça va pas prendre feu, purée. Ouais, moi aussi. Alors, ensuite... Bah, je te suis. On va descendre dans la petite partie... La petite partie made in Q. C'est qui Q? Ah, c'est moi. C'est le sous-sol. Hop, ouais. Ouh. Donc, ce sous-sol, il va se diviser en 1, 2, 3, 4, 5. En 5 parties principales. Enfin, 5 parties tout court. Donc, ici, ce sera un futur derrière toi. Derrière toi. Ah. Ce sera le futur passage pour... Enfin, chemin pour aller vers le portail du Nether. Donc on le fait pas tout de suite. Ouais, on le fera un peu plus bas en bas parce que ça va nous casser les oreilles, le bruit de la porte. Descendre, etc. Et puis... Donc ici c'est la fonderie avec vue sur le ciel et puis on voit, c'est cool, ça fait une petite lumière naturelle, c'est sympa. Donc, avec quelques tables de craft. Bien sûr,
On sait parfaitement qu'on n'utilisera jamais tous ces fours. Mais ce sera très pratique, ça c'est clair. On les utilisera jamais tous ensemble. Mais bon, c'est quand même sympa d'avoir une fonderie chez soi. Si tu m'étonnes. Alors ici, ce sera une salle vide. Donc ce sera une, ce sera la salle des coffres ouais. qu'on va utiliser. Parce que depuis qu'on s'est mis à construire cette maison en ligne, on a commencé à récolter énormément de conneries qui sont vraiment très très mal rangées à l'extérieur de la maison dans plein de coffres différents qu'on aménagera la maison une fois qu'elle sera finie, on classera tout ça bien correctement dans chaque coffre. Hein. Le papier toilette ici, la pousse de bambou de l'autre côté, voilà. Les culottes de Gérard là-bas. Voilà, les strings de Q à gauche. Ouais. Ici, ce sera bon. On a que deux bibliothèques, on est un peu misérable. Mais bonjour, misérable scarabée. Et c'est la salle d'enchantement. Bon, on va mettre. Il manque. J'avais compté. Alors, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, enfin, il doit manquer 7. Plus il en faut beaucoup hein, encore. Hein. Plus les murs à combler là où je suis, à gauche et à droite. Ouais. 9. Et 9, 18, et 9, 27, plus 7, ça fera 34. Il nous manque 34 bibliothèques. Là, tu pourrais mettre de la comment on appelle ça, de la cobble brick là quand même à côté pour terminer là. Mais c'est pas fini, t'inquiète. Ah. t'inquiète, c'est pas fini. Et le dernier passage qui sera là, ce sera pour aller vers la distilleuse de Gérard. Ouais, ce sera la distillerie, on fera les bières de Gérard. Voilà. J'ai plus rien à bouffer. Pour faire toutes les potions, etc. Tiens. du feu. Tu sais quoi? Tiens. Non. Il y a du bois au-dessus. Oh oui, c'est vrai en plus. Ça le gosse. Ah yeah. On va pas réussir à sortir. T'es. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on prévoit de faire aujourd'hui, QQ? Déjà, on va aller dormir, je suppose. Enfin, je pense, j'espère. Oui. Attends, plutôt préparons-nous pendant la nuit, c'est mieux. On gagne du temps comme ça. Bah après, moi personnellement, je suis prêt. Bah moi, je me vide les poches. Alors attends, je me vide les poches parce que j'ai plein de conneries et j'ai plus de coffre de libre. Aïe, oula, regarde-moi toutes ces bêtises qu'on a depuis le début. Depuis qu'on est allé faire ces trois donjons, on a énormément de ressources. Il faudra récolter le blé aussi, qu'on se prenne pas mal de pain, tu sais, chacun. Ouais. Pour partir. Bah tiens, je vais faire ça vite fait là. Moi, je vais faire. C'est bizarre, y a pas de mob. Ouais, aujourd'hui c'est calme. Et tant mieux, tu me diras. Ah oui. Je vais me faire un autre coffre. Me plaindre qu'il n'y a pas de mob. Oups. Empêche au niveau du PVM, enfin ouais, PVE, ça dépend des jeux auxquels vous jouez. Mais je trouve que je me suis vachement amélioré sur ce jeu parce qu'avant j'étais vraiment nul. Et là, depuis que je joue en hardcore avec Gérard, je poutre du zombie foison. Le hardcore, c'est bon. Mangez-en. Ouais, c'est clair. Attends, il faut que je prenne ça. Bah, je vais prendre du métal sur moi. Mais bien sûr, on sait très bien que c'est moche. Le champ de blé va être déplacé, vous inquiétez pas. Parce qu'avec la fonderie juste à côté, vous en faites pas. On a pensé à tout. Hop. Dis donc, depuis que j'ai construit un peu la maison avec toi, là, j'ai défoncé ma pioche Unbreaking 3 et Efficacy City 5, je sais pas quoi. Là. Bah, d'ailleurs, on a cassé la pioche. J'ai cassé la pioche. Silk Touch, malheureusement. Ça part trop vite quand tu commences à faire n'importe quoi avec. Faudrait résistance, celles résistance elles sont bien. Ouais, tu m'étonnes. J'ai des flèches dans le coffre si tu veux là. Yeah, ça j'en veux, j'en prends. Attends, je vais te les donner. Tiens. Jette-les moi dessus, s'il te plaît. Yeah. Alors par contre, moi il me faut de la bouffe maintenant. Je suis en train d'armure. De pain, là. Mon armure est nickel, donc c'est bon, j'ai pas besoin de... Tiens, tu veux de la nourriture? Ouais, parce que j'ai absolument faim, là. Moi, je suis encore avec ma viande de zombie. J'en ai encore 15. Le pain, ça redonne pas... y a pas autre chose? Y'a pas mieux? Ça redonne 2,5. Bah non. T'as encore des flèches à ramasser, hein? Ah, j'ai pas vu. Bah, c'est bien, le pain. 2,5, c'est déjà ça. Tiens, t'en as encore là. Ton armure elle est bien? Oui. Ouh, de toute façon, fire protection, protection,
elle est full. Ouais, tu me diras, ouais. Hop, je vais prendre ça quand même. Moi, j'ai du bois, j'ai du charbon, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bon, je suis prêt, on peut aller dormir. Faut juste que je retrouve un arc. Alors ça, je sais pas où est-ce qu'on en a. Bah, c'est pas la peine de dormir, regarde la lune. Ouais, nickel. Je crois qu'il y en a dans la baraque là-bas. Ouais, c'est là où j'ai. Par contre, on part par où? Alors du coup, on va sur les îles de glace ou pas? Bah, c'est ce qu'on a dit, non? Ok, c'est parti. Donc les amis, en haut à gauche de la carte, nous nous rendons sur les îles qui sont les petites îles qui sont enneigées. Voilà. Explorer un peu les lieux parce qu'il y a des coffres cachés, bien sûr. Il y a aussi 11 CD à trouver. On n'en a pas trouvé un seul. Q, on a trouvé un. Enfin, c'est un mob qui lui a droppé. Comment tu l'as trouvé le CD que t'avais eu là? Bah, c'est dans le donjon de la dernière fois, bah tout simplement, il y avait tellement de mobs qu'il y a un squelette qui a tiré sur un creeper que j'avais salement amoché, ça m'a looté un petit CD violet. Tu es où là? Je suis encore à la maison, Putain, la maison elle prend feu! Elle prend feu! Monte sur toi, vite, 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 vite! Putain, putain, putain! Elle prend feu! Ah la saloperie! Saloperie! Allez, allez, allez! C'est bon, c'est éteint! Oh la vache! Bon, je réparerai les dégâts, y a pas trop de dégâts, y a deux escaliers Les qui ont cramé. escaliers, ils étaient pas censés ne pas brûler, genre? Ben logiquement, ça devrait pas brûler aussi facilement que les bûches. Enfin Oh bref, la preuve que là là. non. Ça fait que j'ai jeté tous mes trucs que j'étais en train de faire mon arc. Ah oh, mais t'as récupéré mes bâtons, rends-les-moi Ouais. s'il te plaît. Non mais sérieux, faut que je me fasse un arc. Sinon moi je reste là. Et tu vas explorer tout seul. Ok. Oh non. Bon, ben la cheminée, elle va être juste déco. Voilà, en fait ça va être de la cheminée mais qui a pas de feu. Parce qu'on est en été et il n'y a pas besoin d'avoir du feu dans la cheminée. Voilà. Allez, c'est parti, dirigeons-nous vers ces îles. Ah oh, putain, attends, on prend deux lits ou pas? Parce qu'on va y rester 2 jours, c'est sûr là-bas, on va pas revenir avant la nuit là. Déjà le fait d'y arriver, il va faire nuit. Bah ouais, si tu veux, prends-les. Moi j'ai repéré un ogre là-bas, je vais aller le tuer. Oh, il y a plein d'ogres, il y a des ours. Je vais aller les chercher, ouais. Donc on puisse se spawner là-bas au pire. Oh, j'ai tué en un coup les ours, c'est trop beau. Hop. Voilà, je les ai pris. Faut pas oublier de se re remettre le spawn ici quand on revient après. Ouais. Hop, je ferme la porte. Je ferme la puerta de los dedos. À la playa. La Alors. puerta de la casa. C'est parti, j'arrive. Attends-moi, va pas trop vite, hein, parce qu'on va se perdre. Il faut qu'on aille explorer ça. Ça a l'air stylé. Il y a une petite crique. Mais moi, j'irais bien longer la grosse montagne. Hein, tout le long. Aussi à... La grosse montagne. Ouais, t'es où? Ça y est, je t'ai perdu. Je suis je vois ton pseudo. Ah, t'es là. Derrière la petite colline. Et je suis en train de longer la mer, moi. Bah, Ah, oh, il y a un nickel. cercle avec des fleurs. Ouh, coffre, coffre, coffre. Oh, popopo. Bah, prends, non? Bah, vas-y, prends-toi. Regardez-moi ça, toutes les ressources qu'on peut trouver, dis donc, on est vraiment tranquille. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a certains mobs qui me lootent pas d'expérience. Ouais, c'est possible, c'est des bugs. C'est du multi, hein. Par contre, ouais, je me demande C'est un comment on peu. trouve ces CD de musique, comment, dans quoi ils les a mis, quoi, tu sais. Peut-être des coffres. Ils sont vraiment bien planqués parce qu'on a trouvé aucun depuis le début. Allez, on va marcher sur la mer, on va marcher sur l'eau, tel Moïse fut un conquéreur. Je me demande s'il n'y a pas des trucs ici quand même. Un conquérant? C'est un conquérant, oui. Non, mais c'est même pas français en plus ce que je dis. Ouais, je sais. Mais bon, moi, au bout d'un moment, j'ai fini par te comprendre. J'ai trouvé un coffre. Y a quoi dedans? T'es sous Je l'eau? sais pas, il est sous l'eau. Là, je te vois là-bas. Je me demande si. Je sais pas si c'est un coffre en fait. Fais gaffe aux raies, hein. Youh, de la Non, c'est de la glace. dirt. Avec mon texture pack, je confonds un peu, je connais pas trop encore. Oh, piranha, tu te fais attaquer, fais gaffe. Ya, attends, 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 il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer. Allez, je vais continuer moi C'est vers bon, les. j'ai. Alors, on n'est pas trop loin normalement, le voyage devrait pas être trop loin. Ouh, un poulpe. Oh, une raie. Ah, Ah, mais je me putain, suis fait non. piquer, putain. Oh, j'ai eu un œuf de poisson. Aïe, aïe. Je me Aïe, demande j'ai si je vais. mal. Non, j'ai la flemme d'aller tuer la raie manta et puis.
ça risquerait de mal tourner. Elle t'attaque en plus, ouais. Elle m'attaque? Ouais. Dès que tu l'embêtes, elle vient te Ah. dépouiller, quoi. C'est une méduse, c'était pas un poulpe, c'est pour ça que tu t'es fait attaquer. Ah! Me fait Il y attaquer! a C'est y a un pour trou là-haut. Est-ce qu'on y a été à ce niveau-là? y a un truc qui m'a attaqué, je sais pas ce que c'est. Un trou? Il y a un Non, trou dans la pas, on n'est pas montagne en passé haut par là. là. On n'est pas passé par. Attends, quel côté de la montagne? On n'est pas Si, passé par là. si. Quand non, on n'est pas venu jusque-là au bord de la mer On n'a quand. pas fait le tour par là? Ah ouais? Attends, je vais y aller voir alors parce que On a traversé, on est passé par le col. ça se trouve il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant. C'est pas très loin. T'es où? Je suis en Ah, train je de sais monter pas. la montagne là. Attends, tu vas me voir. Non mais je t'ai vu, je sais pas où t'es monté, c'est bon. Je suis presque arrivé au trou, je vais te dire ça. Alors c'est peut-être le donjon numéro 2. Je me Non, rappelle. le donjon Non? numéro 2, il était sur du plat. Ouais, en tout cas, c'est ça. Il y a bien une entrée de grotte ici. Ouais, je la vois. Oh yeah. Climbing. Oh putain, je vais me chier dessus là. Pardon. Ouais, il y a un coffre. Il y a un Ouf, coffre. Hop. Yeah. alors, y a pas un œuf dedans? Oh, il y a une pelle en bois. Putain. Je trouve Juste une qu'il est pelle en fou bois. le gars depuis tout à l'heure. Il y a eu un coffre avec un œuf Ah, le et vilain, deux quoi. coffres avec une pelle en bois. Surtout celui où j'étais trop content de l'avoir trouvé le truc et tout. Et là j'arrive. Oh, c'est une pelle en bois. Allez, c'est parti, continuons notre périple sur les îles enneigées. Je suis sûr qu'il doit y avoir quand même quelque chose à récupérer là-bas. Au moins un CD quand même. Bah oui, sinon ils les auraient pas faites. Parce que les îles, elles sont pas petites. Enfin, elles ont pas l'air petites. Oh, elles ont l'air Aïe, grosses. Ouais. je me suis Mais fait toi mal. aussi, tu t'es fait mal. Ouais. Ouh, de la bouffe, je prends. Les vaches! Oh bah tiens, il y a de la clé là. Ah bah nickel. J'en ai plus besoin, hein. Enfin comme tu veux. Bah en haut, ce sera déjà ça. C'est pas qu'il va commencer à se plaindre, non mais disons. Oh. Hop, c'est Il est parti. midi. Quoi? Enfin presque, il est Déjà? presque. Purée. On n'est pas près d'arriver là-bas. Alors il faudrait repérer, il faudrait que ça charge un peu. Bah de Si, toute c'est ça, c'est façon. là-bas. C'est ça en face là-bas. Allez, c'est parti à la nage. Plouf. Et là, tu vois une horde de piranhas qui nous saute dessus, genre. Du poisson. Bon, ça a pas l'air si grand que ça, mais ça a l'air montagneux. Enfin, je sais pas. Moi, bon, ça a pas l'air de charger, à moins que c'est déjà chargé et que ce soit pas grand-chose. De toute façon, ça a l'air gros, donc même si c'est pas des hautes montagnes, c'est une longue, enfin c'est une grande île. Moi, j'ai eu un stack de de requins là-bas. Mais attends, tu veux pas qu'on aille faire les petites d'abord? Bah moi je vois les petites celle-là, je sais pas. Attends, c'est peut-être pas Non, chargé pour moi c'est là-bas. bien plus vers moi. J'arrive. Il y a deux petites. Ah oui, c'était pas fini de charger, d'accord. Hop. Bon, on s'en fout, de toute façon on commence, hein. On verra Bah, où il y autant faire aura. les petites et après on fait le gros pour la Ouais, fin. ça marche. Explorons, je vais monter déjà en haut. Hop. A pas l'air d'y avoir grand-chose. Hein. Non, moi j'ai un beau bug de chunk là-bas, mais bon c'est pas grave, il me gêne pas. Bah, je récupère le charbon, on sait jamais, peut-être y avoir un truc derrière. Ouais, on sait jamais, ouais. Alors, tu vas voir qu'il aura rien mis du tout. Ah, oh, si, quand même. Ah, oh, si. Allez, quand même. Si, de toute façon, il y a un cercle de fleurs dessus. Oui, et puis il y a des arbres là-bas, donc c'est pas que du caillou apparemment. Du caillou qui mène au fond de la rivière. Hop. Espérons que je vais trouver un coffre. Non, rien du tout. Rien du tout, boudoir. Il n'y a pas grand-chose là. À moins que sous l'eau. Ah, j'ai pas repéré sous l'eau, faut que je fasse gaffe. À la limite, on pourrait presque. On sera obligé de passer la nuit sur. Oui, à côté des arbres là-bas. De toute façon, la plus l'île principale, c'est celle où il y a les arbres. Ouais, donc ouais. Il n'y a pas grand-chose, hein. J'ai pas repéré de coffre pour le moment, ni Oh, de. il y a un mini léopard. Ouh, petit chat. En mode tigre. Oh, le pauvre, on aurait pu l'adopter. Mais non, c'est un tigre. J'ai toujours voulu un tigre quand j'étais petit, moi. Moi, j'ai toujours voulu une grenouille bleue. Pour savoir quel temps faisait dehors. Non? Tu la mets dans un bocal avec une petite échelle. Non, mais les bleus, c'est pas pour savoir ça. C'est pour savoir les résultats des matchs de foot. D'accord. Mais bon, j'aime pas le foot, alors j'en ai jamais acheté. Bref. Il n'y a pas grand-chose sur ces petits îlots là.
Attends, On s'est attends, fait couillonner comme des bleus sur ce coup-là. On n'a pas fini, on n'a pas fini. C'est là, genre, on fait pas gaffe et là, il y a de la neige sur un coffre. Et on passe sur un coffre où il y avait un CD dedans. T'es genre... Ouais, possible. Il n'y a pas de mob non plus, donc tant mieux. Et ça va être la nuit, hein. Ouh, cochon. Ouh, les cochons. Il n'y a pas grand chose ici aussi. Ah! Vu! Quoi? Du charbon. C'est tout. Alors. Oh putain, je t'ai pris pour une bête. Une bête. J'étais Kuroko, j'ai que des gros bugs de junk. Yeah! Y a pas de coffre, moi j'ai pas grand chose. Bon, bah on va sur l'île principale. Ouais, je pense qu'on trouvera notre bonheur sur où il y a de l'herbe. Oh, du cochon, du cochon, du cochon. Ah, je les aurai tous, je vais les saigner. Tiens, d'ailleurs, j'ai installé un mode tout à l'heure pour démembrer les monstres. Tu peux leur couper démembrer la tête. Les monstres. Ouais, ouais. Couper les bras, les pieds, les jambes, la tête. Tu peux leur slicer la tronche. Il y a un chat noir. Il est mort. Alors, explorons cet îlot. On creuse un trou, qu'est-ce qu'on fait? Bah ouais, forcément, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Attends, on a encore un peu de temps pour explorer. Ouais. Ah, j'ai repéré le cercle de fleurs. Attends-moi. Je veux voir. Je sais pas où tu es. Là, derrière toi. Là, non, l'autre derrière toi. Ouh, t'es loin. Ah oui. Avant qu'il fasse trop nuit, je cours. Je vole. Oh, premier disque de musique, donc les amis, C418 Stale. Donc, là, tu vois, il faut que tu mettes dans la vidéo un truc comme dans Zelda où ça fait. Tu me trouves la musique et tu me l'envoies. Ouais, si tu veux. Moi, okay. Je te la passerai tout à l'heure. Merde, ça marche. Je crois que je l'ai déjà sur mon ordi. Premier disque de musique, donc le premier sur 11, donc il nous en reste plus que 10. Cool. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue d'explorer et on essaie de... Ah mince, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de lumière. Bah ouais, ça va être... Ouais. On explore les jeux tranquillement, puis on se fout dans un trou, on peut passer la journée rapidement aussi. Hein. Attends, on a survécu à je ne sais quoi dans le donjon de la jungle, je suis désolé, on peut survivre à une nuit... Bah oui, largement. Allez, dehors. C'est parti. On fait une nuit en extérieur. Ouais, comme ça, on permet de... Oh, déjà un squelette, j'aime bien un squelette. Je tue tous les cochons, moi, je veux de la bouffe. Puis de toute façon, il serait trop loin à ramener à la maison. Ouais. Oh, le garou, j'ai pas de paix en or. Moi j'en ai une. Je sais pas, tu es parti. Non, mais il est pas là, j'ai juste entendu un hurlement. Je suis niveau 16. Mais faut qu'on reste ensemble par contre si on veut survivre. Bah, je sais pas où tu es parti. Où tu es passé. Parti un peu vite encore, toi, sur ce coup-là. Non, c'est toi qui es parti un peu vite dans l'autre sens de moi. Alors tu es où? T'es monté vers la montagne ou pas? Attends, je vois. Ah, je te vois, j'arrive. Là, viens. Hop, il y a un zombie en smoking. Oh, il doit y avoir un coffre en haut là, je pense. Il doit sûrement y avoir un coffre en haut. On a le disque noir, c'est cool. Oui. Ah, pour écouter ça, faudrait qu'on se craft. Je sais comment le jukebox avec un diamant, je crois, non? C'est du bois comme un coffre avec un diamant au milieu. Ouais. Oh, il y a une grotte là. Oh, attention! Ouh, il m'a looté une épée en fer, moi. Ouh, il y a une grotte là. Oui, c'est ce que j'étais allé voir. Alors attends, viens. Attends, je mange. C'est parti. C'est juste une petite grotte vite fait, j'ai l'impression. Oh, il y a un coffre. Oh. Ouh. Je te laisse, la canne, elle est bien. Sharpness 1. Bah, écoute, je vais même prendre le coffre. Petit coffre secret. Et ça, c'est sympa quand tu trouves des trucs comme ça là. C'est pas fini, Q. J'ai l'impression, c'est pas fini. J'arrive. Regarde. Je suis juste allé tuer un petit squeletton. Bon, je sais pas si c'est voulu ou pas, ou si c'est un défaut qu'il a oublié, mais en tout cas... Y a bah vas-y, voyons. Il y a des petites marches. Plouf. Non, bah c'était un cul-de-sac. Bon, dommage. Oh, ah, dommage. C'est un petit bug. Hop, il aurait pu rajouter une petite sucrerie pour nous achever, quand même. Creeper, je vais avoir à l'arc, celui-là. Non, j'ai bouffé un bout, j'ai faim. Oula, il t'a... il vient de t'éclater la tête. De quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je te jure que ta tête vient d'exploser à côté de moi.
te jure, c'est énorme. J'ai plus de tête. Je te jure que t'as plus de tête. Tu regarderas la vidéo, tu seras mort de rire. Je te jure. J'étais en train de te regarder et tout d'un coup, j'entends. T'as plus de tête. Oh non, je te jure que je me fous pas de toi. Oh, énorme. T'as plus de tête là. Bon, ben. Bah, fais-toi une petite déco reco parce que là, franchement. T'as pas dû désinstaller ton mode. Mais j'ai le mode d'installer, ouais. Démembrage de mob. Bah, t'es passé où? Ah, t'es là. Mais je. T'es normal, t'as perdu ta tête. Mais je pensais pas que ça marchait en multi aussi, donc c'est bon à savoir, tu vois ça. Apparemment, c'est bon. On va tester, je vais tester ça tout de suite sur un zombie pour vérifier la chose. Mais c'était drôle, putain. Épique, épique. Y'a un fantôme là-haut. Fais gaffe hein, si tu vois rien. Oh la bonne blague. Oh y'a une grotte. Ouh putain, y'a du fer. Je me fais des torches et j'arrive. Fantôme. Attention au fantôme. Attention putain. Il est fou lui. Mais tu es fou, dis. Y'a quoi dedans? Que des minerais. Bam. Métal or. Ouf. Je mine hein, moi. Je suis désolé, je mine hein. Ouais, vas-y, mine. Moi j'essaie je de mine. Faire du bash mob. Avec ma hache, ma pioche qui va bien là. J'en ai pour 2 secondes. Oh, je vais te dégoûter quand elle va me lâcher celle-là. Ah, on en trouvera d'autres, on va en acheter d'autres aussi. Et franchement, t'avais peut-être raison, hein, les donjons, vaut mieux les faire dans l'ordre parce que j'ai l'impression que la force augmente à chaque fois qu'on avance. Ouais. Le 3, il était balèze. Hein. Ouais, c'est clair. On a galéré au début, mais après, une fois que ça allait, quoi, ça allait. Puis bon, ça changeait un peu des autres. Les autres, c'était 2 grottes, le 1 et le 2. Je suis curieux. Ça y est, j'arrive, fini. Tiens, préviens-moi si tu vois un zombie. J'ai entendu le bruit d'un zombie, mais je l'ai pas vu. Que j'aille lui le slicer la tête. Viens là où je suis, il y a un zombie là. Oui, j'arrive. Il est habillé en militaire. Énorme. Et franchement, ce texture pack, il est énorme. Non, j'ai pas l'impression. Non, je suis pas arrivé là, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Texture pack, genre, tu vois, je vois des zombies en smoking, des zombies ça en. Ah ouais. Des zombies. Lui, il est en militaire. Sur celui que j'avais au début de la saison, je voyais les zombies en. Lui si. Aussi, il est en militaire. Si, tu le vois pas, toi. Là où je suis, elles viennent de disparaître. Il y avait un bras et une tête par terre. Regarde, il y a un autre zombie, voyons. Tiens, je sais pas si tu les vois, attends, je vais le refaire. Tiens, ça y est, je vais couper la tête. Non, ça marche pas pour moi. Ah, dommage. Faut qu'on les tous les deux installés, je pense. En plus, il est ultra simple à installer, c'est que des fichiers classe que tu fous dans le jar. Ça gêne aucun autre mode. Pratique. J'ai toujours pas de tête. Non, non. Attention, il y a 2 creepers là. Ou voir si ça marche sur les creepers. Kawabanga! Ouf! Fais gaffe, il a fait un trou dans l'eau. Si tu tombes, tu ploufes. Ah oui, là pour en plus, c'est la nuit pour retrouver la. The sortie. Bon, bah c'est bien. Un CD, 2 coffres déjà sur cette petite île, tranquille. 2 coffres? Ouais, on a trouvé 2 coffres, non? Bah celui où il y a le CD, ouais, l'autre. Finalement, c'est pas plus mal d'explorer la nuit les petites îles, tu vois. Parce qu'au moins, on peut repérer où on est passé avec les torches. Ouais. Attention, zombie. Oh, elle est trop bien, cette épée. Attention, squelette. C'est moi qui me tape. Moi, je tape le zombie qui est devant nous. Et je vais tuer le creeper qui est là. Je vais tous vous démembrer. Boom. Donne plein d'expérience, les creepers, c'est bien ça. Ouais. Bah, je pense qu'on a fait le tour de l'île. Hein. Ouais. C'est parti, on peut bouger. T'es sûr qu'on n'a pas oublié de coffre? Oh. Bah on peut pas être sûr pour ça. Ouais c'est vrai, bon de toute façon après c'est petit bonheur la chance, hein. On peut pas tous les voir à mon avis, les coffres uniques. Ouais. Moi ce que je te propose... C'est qu'on aille dans la mer? Aussi. C'est pas par là qu'on va? Mais c'est qu'on aille explorer le caillou qu'on a pas fait encore devant là. Ouais aussi. C'est pas ça ce que je pensais. Oh un dauphin, meurt. Oh le pauvre. Ah il m'a looté du poisson, gentil dauphin. C'est... Tu vois les 3 îles qui étaient de l'autre côté de l'île. Carrément dans la... Bah de l'autre côté du biome neige tu veux. Oui là où on n'a pas été encore quoi. Ouais. Oui tu veux qu'on y aille. Ouais si on a encore le temps. Bah seulement on y va seulement si on n'y est pas encore... Si c'est dans la direction d'un nouveau donjon vaut mieux pas qu'on y aille. C'est comme... C'est pas à côté, non, c'est juste de l'autre côté des montagnes, totalement à l'opposé de l'île. Ouais,
Attends, on finit d'explorer déjà ça Ouais, correctement. bah. J'aimerais bien trouver quand même d'autres coffres là. Bah, de toute façon, le soleil se lève. Dans ce gros fouillis, il doit bien y en avoir là. Ouais. Hop, hop. Puis nous, ça va pas tarder, c'est la fin de la vidéo déjà. 30 bonnes Ah minutes ouais? sont passées, ouais, ça passe vite. 32 minutes. Ouais. Hop. Bah, moi, hier, qui disait que ça passait lentement, mais en fait. Alors moi, je repère rien d'anormal pour le moment, à part un petit ours qui cherche de la bouffe en bas. Mais donc ce mode, je vais le garder là. Démembrement, c'est pas mal, c'est marrant. Il manque plus que je Ah. retrouve mon mode de sang là. Ah. Quoi? T'as Je quelque peux te chose? trouver un truc, mais je suis pas sûr du tout. Bah test, vas-y. À fion, à fond. Moi, je continue à poursuivre. Ouh, sur celui-là, il est bien plus haut que les autres, à mon avis. Je risque de trouver des choses intéressantes. Hop, 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 hop. Comment je pourrais y aller à celui-là? Essayer de voir ça. Ouh, squelette. On va l'esquiver, le squelette. Oh, puis non, on va lui faire sa fête. Oh, il est trop bas maintenant, c'est trop tard. Alors, c'était quoi? Bah, c'était nul. Putain, mais moi aussi, j'ai rien là-dessus. Merce. Ouais, j'ai pas grand chose là. Bah écoute, moi y a rien. Je les ai faites de fond en comble, tout en haut à chaque fois. Et c'est là, genre, t'es passé à côté d'un coffre et tu verras dans les commentaires. Là, y a un Ouais, c'est fort possible aussi, hein. Et dans 3 mois, on va être obligé de revenir. Juste pour aller chercher le CD qui était caché là. T'es où toi là? T'es. Derrière toi, Ok. sur la montagne en haut. Ben là, je pense qu'on a vraiment tout fait maintenant ici. Écoute, viens là, l'homme sans tête. Je vais t'appeler Invisible Man. C'est parti, écoutez les amis, nous on va arrêter la vidéo ici. Vous reprendra pour une prochaine vidéo. Donc dans l'épisode Des combien? romans sont extraits Pour numéro l'épisode 15. 15, non, non. Ben si déjà, purée, ça passe vite aussi. Écoutez les amis, bonne journée à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Robinsons de l'extrême. Allez, Yeah. ciao ciao QQ. Ciao, pote.